Très chers amis, shalom à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle étude dans le cadre de notre projet Perles bibliques. Nous étudierons aujourd'hui le verset 23 du chapitre 21 du livre des Proverbes. Je vous invite à ouvrir le livre des Proverbes pour y lire ensemble le verset. Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Mettre un frein à sa bouche et à sa langue, c'est se préserver de bien des tourments. Que nous inspire ce verset? Celui ou celle qui fait montre de la plus grande prudence dans ses paroles se préserve du mal qui pourrait se retourner contre sa personne. Les mots possèdent une puissance infinie. Les mots peuvent être à l'origine de tous les maux de la terre, ou bien être à l'origine de tout le bien. N'oublions jamais qu'une parole maladroite ou blessante, une fois sortie de la bouche, ne peut jamais ni être effacée, ni être annulée. C'est la raison pour laquelle la prudence et la modération dans nos propos s'impose en toutes circonstances, pour le bien d'autrui et également pour le bien de nous-mêmes. Toda Rabba, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle perle biblique.